Quels sont ceux qui n'arrivent pas à avoir du travail? Alors, il y a un ami, hein? Tu as un diplôme. Tu as un diplôme. Tu as un diplôme, hein? Tu as un diplôme. Tu n'arrives pas à avoir du travail. Tu as un diplôme. Merci. Et tu dois me donner le nom parce que c'est un ordre. Non, je vais la libérer aujourd'hui. Non, donne-moi le nom. Non. Si. Si. Même si je te donne ton nom, mon nom, mais tu ne me connais pas. Mais je m'en fiche. Mm-hmm. Tu dois la libérer en me donnant son nom. Donne-moi son nom. Je m'appelle Diabia. Tu viens d'où? Tu es où? Je viens d'Abouba. Mm-hmm. Comment tu es entré dans sa vie? Comment tu es entré dans sa vie? J'ai tué sa maman. Mm-hmm. Et c'est elle qui a organisé le funérail de sa maman. Mm-hmm. Même jour là, il voulait la tuer. Mm-hmm. Mais sa cousine mm-hmm. l'a sauvée. Mm-hmm. Comment? En quoi faisant? Comment sa cousine l'a sauvée? Sa cousine l'a sauvée parce qu'elle est tombée, elle tombait en France. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. je n'ai pas pu. J'étais oiseau sur le toit. Mm-hmm. Je n'ai pas pu. Il prend son âme. Oui. Mm-hmm. Parce que pourquoi il a tué ma nièce, c'est elle qui organise. C'est elle qui a tapé sa cousine, elle va enterrer sa maman. Mm-hmm. Donc j'ai décidé, elle avait un homme dans sa vie. Mm-hmm. Quand les hommes viennent, mm-hmm. même matin, elle va venir. Mm-hmm. Depuis hier, elle est tombée malade. Mm-hmm. J'ai tout fait pour l'empêcher. Pour m'empêcher. Mm-hmm. Mais je n'ai pas pu. Mm-hmm. Bon, tu as gâté son mariage. Tu as gâté son argent. Tu veux maintenant la tuer. Tu trouves ça normal? Mais je suis dans un camp, donc seulement pour seulement que tu l'as tué. Mmh. Ok. Mais je te, maintenant je t'informe que cette vie appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot. Mais elle a eu la chance parce qu'elle t'a vu. Ok. Même le jour. Donc, je voulais l'atteindre. Mais pour le moment, elle a eu la chance. Elle t'a vu. À cause de ça, chaque jour, quand tu l'invites, elle n'a pas mangé. Mm-hmm. Je l'empêchais, quoi qu'elle va faire. Mm-hmm. Mot de cœur, là, c'est moi qui l'ai donné. Okay. Pendant les fêtes du mien, mm-hmm. elle est partie. Mm-hmm. Quand les chefs du village passaient, elle est tombée. Mm-hmm. Partout où elle passe, on dit c'est génie. Mm-hmm. On dit c'est génie qui fait que je n'aime pas Marie. Mm-hmm. Entends, c'est moi-même. Assisiel. Je suis assisiel. Même les hommes viennent en France. Il décide de la marier. Dès qu'il soit avec elle, c'est fini. Il peut faire au moins 3 mois, 4 mois. Même tout le monde devait aller en Tunisie. Le monsieur devrait m'envoyer l'argent. J'ai empêché tout. Parce qu'elle ne va pas me suivre. S'il vous plaît, c'est
va marcher. Elle va faire un bon. Laissez-nous faire la délivrance. Voilà, dit, il y a un bon week-end, s'il vous plaît. Elle ne doit pas reçu. Elle doit rester comme ça. Elle s'assure. Ça doit vous instruire ce qui se passe. Mais il y a un c'est pour ça qu'on laisse l'esprit parler. Où grandement va. Ok. Tu vas maintenant quitter sa vie. Même je suis partout au guichet. Il m'a poussé, puis je suis tombée. Il dit mon âme est trop forte. Moi-même, il dit il devrait faire une délivrance. Mais je néglige ma vie. Ça connaît ça. Si les hommes viennent, je la vois, elle est jolie. Tous les hommes viennent d'elle. Mais dès qu'ils rentrent et sont avec elle, c'est fini. Elle ne va jamais se marier. Donc c'est toi qui fais tout ça. Même avant, elle était au village. Elle voulait me mettre dans la voiture. Elle ne m'a même pas regardé. Elle est montée. Pourquoi c'est son papa qui doit devenir riche. Mais c'est son papa. Pourquoi toi, tu as quel problème? Et son père? Pourquoi tu l'en veux? C'est normal. Elle prend soin de son père, c'est normal. Elle a mangé sa maman. Il dit non. Non, c'est mon. Je suis son grand-père. Arrière-grand-père. Ah, d'accord. Mais tu as déjà détruit sa vie, donc je l'ai dit tout à l'heure. C'est toi qui as dit ça tout à l'heure. C'est toi qui as dit ça tout à l'heure. Elle a tué sa maman. Et même maladie, quand tu as mal à la maladie. C'est toi qui as répété ce que tu m'as dit. Même maladie qu'elle a là, tu m'as pas dit là. C'est même maladie, mais pour sa maman, je l'ai tué un coup. Mais quoi là? Tu l'as mangé? Je l'ai partagé à mes amis. Tu as mangé aussi? C'est quel duplicat quand tu vois que du sorcier qui est bien partagé, qui mange pas? Actuellement là, parce que son âme est fort, je tente partout. Il n'y a pas à temps, c'est ça, il y a dans mes cardiaques. Donc, dans ce temps, c'est tout l'argent qu'elle gagne là. Elle paye le médicament et ça. Bon, ok. Maintenant, c'est la fin de sa souffrance. Oh, c'est le bel homme. Elle t'a vu. Si elle t'a pas vu, elle l'a tué. Okay. Mais elle t'a vu déjà. Okay. Moi, je suis déjà fâchée parce qu'elle est venue ici. Il est tenté partout. Il n'a pas pu. Matin même, là, tout ce qu'il tente, tout ce qu'il a fait. Il voulait casser son portable, il voulait faire tout. Chez même, elle voulait me couper. Ah, bon? Mais elle a parlé, elle a dit laisse-moi tranquille. Okay. Tu m'as assez fatiguée comme ça. Okay. Que cette fois-ci-là, on me parle du prophète, je me laisse essayer. Si vraiment, laisse-moi, vous m'avez fatigué. Votre groupe là, laissez-moi tranquille. Donc, au coup, elle a appelé un de ses amis. Et puis son ami a dit non, il faut dans le taxi. Elle a posé, elle a dit ah, je fier mon cœur. Ça a commencé par fièvre hier soir. J'ai tout fait. Même, je me suis transformé en souris pour monter sur sa tête. J'ai tout fait. Pour qu'il m'empêche. Mais son âme est forte. Pour le sang, elle est venue. Mais je remercie Dieu, quoi. Il l'a laissé tranquille. Elle est trop fatiguée, elle me fait pitié maintenant. Sinon, à son âge, sa place n'était pas ici. Sa place, c'est en France. Tous les jours, les gens me parlent de France. Toi-même, tu es dans le transit, tu dois avoir voiture. Rien, ça ne m'intéresse pas, ça ne me motive même pas. Mais, comment elle vous a connu là? Je m'en vais, il a libéré. C'est elle qui quitte ma voiture, et puis elle s'en est fait sa délivrance. Ok, tu vas quitter sa vie. Il n'est pas où? Tu vas quitter sa vie. Il n'est pas où? Tu vas quitter sa vie. Il n'est pas où, mais t'es bien. Il a compris, elle est là, c'est. Maintenant, c'est un peu. Comme ça, elle est aussi là, elle ne croit pas là. Oui. Tu es parti derrière. Ne touche plus à sa petite soeur. Mais quand on est en train de compter chaque et tout le monde. Et qui dit-moi, il laisse aussi sa petite soeur. Ouais, quand on est en train de laisser ta vie. Elle a quel défaut. On a assez discuté le démon. Alors, on va dire. Ouais, je vais pas trop discuter avec toi. Mais je vais pas venir discuter avec toi. Et non, non, tu as dit. Je ne vais pas parler. Il a compris. Ok, laisse-la. Tu es bien con. Elle a libéré. Oui, laisse-la. Tu es bien con. Ah. Laisse-la. Il a libéré ma propre sa vie à Jésus. Libère son cœur. Tu es bien con. Libère le cœur. Tu es bien con. Que tu tiens. Libère son cœur. Tu es bien con. Libère totalement son cœur. Tu es bien con. Tu dis. Je proclame sa délivrance. On dit, Anthony. Laisse son mariage. Tu veux, on dit, bien con. Laisse ses finances. On laisse sa vie professionnelle. On pour moi encore le métier.
et je proclame sa délivrance au Dieu de Dieu. Au nom de Jésus. Dénommé. La programmation faite sur sa vie. Non, on ne peut pas annuler au nom de Jésus. Il faut aussi est annulé au nom de Jésus. J'annule la mort. J'annule la mort. Au nom de Jésus. Dénommé. Je te proclame guéri. 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 Au nom de Jésus. Reçois maintenant ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Jésus te guérit. 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 Je libère ton baban. Je libère ton baban. Je libère ton baban. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ton baban. Quittez définitivement sa vie. Au nom de Jésus. Je proclame sa délivrance. Je proclame sa délivrance. Dans le nom de Jésus. 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 Je proclame. Je proclame. Je proclame. Sa délivrance. Je proclame. Je te proclame guéri. Je te proclame délivré. Par la puissance. Qui est dans le sang de Jésus. Je proclame totalement ta délivrance. Je commande à cet démon de ne plus toucher à ta vie. Je commande les esprits de la sorcellerie. Au nom de Jésus que j'ai béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la délivrance? Comme ça, contrôler les croyants démons. Et les démons, et les démons qui contrôlent vos vies. Mais maintenant, vous pouvez les amen. Amen. Derrière l'échec, derrière le célibat. Non, il y a ce qui est dit. Et là, il y a un démon. Il y a forcément un démon. Yeah.
Thank you.
Oh,